Marseille alors que Lyon est en train de... Perdu. Attention avec Timo Welter qui va se présenter seul. Et c'est terminé, voilà. C'est chirurgical du côté de Pagny. Avec ce but Timo Welter sur une erreur de relance. Et on le voit là, voilà, il y a un peu de dépit là du côté des centraux de Nancy. On exploite tout de suite les... C'est cherché au deuxième poteau, c'est bien défendu. Oh, et c'est un pénalty. C'est un pénalty, ouais. Ouais, effectivement. Maladresse là du défenseur nancéen. Ici, au stade de la Houve. Il a croisé, c'est bravo. Parfaitement tiré. Voilà. Très bien réalisé de la part de Léo Cantona. Les nombreux supporters pagnotins. Vraiment, les pagnotins dans leur schéma préférentiel avec. De manière très honorifique, ils avaient été premier prix dans la. Dans et la réduction catégorie. Du score. Bah là, voilà, on a la réduction du score. C'est peut-être un peu trop tard, et quoique, il peut y avoir encore une action. Peut-être, éventuellement. Ouais. J'ai apprécié sa capacité de faire du haut niveau, de gagner la Coupe du Grand Est, de jouer en 19 nationaux. Et c'est terminé. Et de véhiculer des valeurs aussi, voilà. Exactement. Bravo à cette équipe de la Espagne. Qui remporte cette deuxième Coupe du Grand Est, hein, qui succède donc au Sporting Club Schiltigheim. Et là, il y a de la Kreuzwald. C'est notre Léon Le Hérisson. Première réaction déjà en vue de la défaite, vous devez être déçu, bien évidemment. Ouais, on est déçu. Si on aurait fait la même deuxième que la première, je pense qu'on aurait gagné. Mais c'est des détails. Perso, des détails, c'est comme ça les finales. C'est vrai qu'on a vu que vous êtes bien revenu en deuxième mi-temps, avec plus d'impact, notamment en plus un but en toute... Protocolaire, Nabil Tigazoui, l'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine avec Greg Costira.